Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal éliminatoire Maroc 2025. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont remporté le match face à la Tanzanie avec un score de 1-0. C'est jeudi 10 octobre 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Avec ses succès à domicile, les Léopards de la République démocratique du Congo restent en tête du groupe H avec 9 points en 3 matchs joués. Et puis, une inhumation ce jeudi 10 octobre 2024 de victimes du naufrage du bateau MV Mardi, survenu le 30 octobre 2024 sur les lacs Kivu. 10 corps ont été exposés au stade de l'unité des Goma où une messe de suffrage a eu lieu avant l'enterrement avec au cimetière des Nakao dans les groupements Munigi, territoire de Nirangongo. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamambi. Comme initialement prévu, les derniers hommages ont été rendus ce jeudi 10 octobre 2024 au sein de l'unité de Goma aux victimes du naufrage du 3 octobre dernier. La cérémonie pleine d'émotions s'est déroulée en présence d'une foule immense, observant avec amertume l'exposition des 10 corps des victimes entourées par les membres de leurs familles, amis et connaissances. Ici, au sein de l'unité de Goma, la cérémonie a commencé par un culte œcuménique, suivant les discours des différentes autorités, dont la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, et celui du vice-gouverneur de la province Nord Kivu. Ils en ont suivi le dépôt des gerbes, des fleurs et des témoignages. Après, c'est le cortège funèbre qui s'est dirigé au cimetière de Makao, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, dans le territoire Nyiragongo, pour la mise en terre des victimes. De l'autre côté, une vingtaine d'autres corps seront rapatriés à Minova et Tchoui le vendredi 11 octobre où seront organisées des obsèques dignes en mémoire des victimes. Le mercredi, le gouverneur de Sud Kivu avait rassuré que les dispositions sont déjà prises avec tous les moyens du gouvernement congolais pour un enterrement digne. La ministre des Affaires humanitaires, le gouverneur du Nord et du Sud Kivu, ainsi que d'autres autorités politico-militaires, ont pris part à cet événement tragique. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué, mais c'est vraiment triste comme réalité. Et puis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 10 octobre 2024 à l'inauguration des Silikou Village, le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation en République démocratique du Congo, initié par le groupe Texaf et dédié start-up aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises. C'est un bâtiment doté d'espaces de travail, salles de réunion, un auditorium, voulais-je dire, et d'infrastructures technologiques. Et puis, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et la ministre de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, Svenja Schwez, ont eu un entretien bilatéral à la clôture de la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne. Les points avec Gisèle Olivier Toko. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment les efforts menés par la République démocratique du Congo en matière de gouvernance, d'allègement fiscal et d'amélioration du climat des affaires. La chef du gouvernement congolais a évoqué dans son adresse la volonté de renforcer le partenariat entre la RDC et l'Allemagne dans plusieurs secteurs, dont le développement durable, la formation professionnelle et la culture. J'ai eu l'honneur de représenter le chef de l'État dans ce forum sur le développement durable ici à Hambourg. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir déjeuner avec les chanceliers, avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons eu à discuter sur la manière dont on pouvait avoir
un partenariat gagnant-gagnant entre l'Allemagne et un certain nombre de pays, dont notamment les pays africains. Et avec Madame la Ministre, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir échanger le jour de mon arrivée, ainsi que aujourd'hui, sur la manière dont on pourrait renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et donc nous avons exploré les différents secteurs sur lesquels on pourrait travailler au niveau économique, au niveau de la formation professionnelle, au niveau culturel. Pour sa part, la ministre de la Coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne a exprimé son satisfaction quant à l'idée du renforcement de partenariat avec la République démocratique du Congo. En fait, nous avons eu déjà deux entretiens parce que nous avons déjà passé une soirée ensemble et je me réjouis que nous avons déjà un partenariat très intense entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et je suis sûr, et l'entretien l'a confirmé, que nous allons continuer ce partenariat. En outre, au cours de leur entretien, Judith Soumillon-Toulouka a réaffirmé à la ministre allemande que son gouvernement pousse à la diversification de l'économie et la création d'emplois. Judith Soumillon-Toulouka a tenu à féliciter la ministre de Coopération sur le format de cette conférence qui, à la différence de nombreux autres, était pragmatique dans son approche et soutenait une vision des relations gagnant-gagnant entre États et autres partenaires. La conférence sur le développement durable a servi également de cadre de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et puis, spolié par un sujet étranger en complicité avec certains Congolais, les Sidaipen situés à Kimpushi, dont la province du Haut-Katanga revient désormais aux propriétaires. C'est la grâce à l'intervention du ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des sceaux, maître Constant Mutamba, laquelle problématique lui avait été exposée lors des consultations populaires. Et puis, profitant toujours de son séjour dans la province du Haut-Katanga, le ministre d'État en charge de la justice et garde des sceaux, maître Constant Mutamba, a accordé la libération conditionnelle à 300 détenus de la prison centrale de Kasapa. Le point avec Nancy Ileka. La journée de mercredi 9 octobre restera une date mémorable dans les têtes de plusieurs louchois. C'est pour les plus démunis, mieux les faibles, est un jour de joie pour les hommes forts. Par ailleurs, ils passeront des nuits cauchemaresques, car dit-on, le bien mal acquis ne profite jamais. Pendant que plusieurs âmes se plaignaient d'avoir perdu leur espoir de retrouver le site d'Aipen, spolié par des hommes forts, en déguerpissant par des manœuvres frauduleuses ces paisibles citoyens. Saisis lors des consultations populaires par ces kidames, qui n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, les a remis dans leurs droits. C'est après une étude minutieuse des dossiers par la commission commise à cette fin. Les bénéficiaires de cet acte n'ont pas caché d'exprimer leur satisfaction droit de l'envoyé spécial du chef de l'État, le ministre de la Justice. L'on conjugué au passé la question de surpopulation et les mauvaises conditions dans les maisons pénitentiaire, le gardien des Sceaux s'est rendu à la prison de Boma Kipushi pour se rendre compte de l'exécution de ses instructions au gestionnaire de prison. Là, Constant Mutamba a accordé la liberté à 54 détenus, parmi lesquels l'on note les malades et mineurs. Ces derniers n'ont pas hésité de remercier le ministre d'État pour son cœur d'humanisme et de bon sens. Merci, toujours à Kipushi, le ministre de la Justice a visité les différents locaux du parquet pour se rendre compte des conditions dans lesquelles le travail se déroule. Il a écouté leurs préoccupations et a promis d'y trouver solution selon les moyens nécessaires. Il faut noter qu'il ne pouvait pas déroger à la règle. Les États généraux l'exigent. Il a été face à la population de Kipushi qui lui a fait des vrais détails sur les dysfonctionnements de la justice congolaise très malade à
Front judiciaire international, le vice-ministre de la justice en charge des contentieux internationaux, maître Samuel Bemba Kabuya, a exprimé la colère du peuple congolais à la Cour pénale internationale en rapport avec les dossiers de la République démocratique du Congo qui traînent encore à être traités. Le point avec Nancy Leka, encore une fois de plus. Le vice-ministre de la Justice et Contentieux International, maître Samuel Mbemba Kabuya, a fait savoir au procureur adjoint de la Cour pénale internationale l'indignation, la colère et l'incompréhension du peuple congolais qui se convainc de plus en plus que cette Cour n'a nullement la volonté de traiter les dossiers de la RDC. Ceci ressort d'une réunion que maître Samuel Mbemba a eue le mercredi dernier avec les membres du bureau de la Cour à la Haye en Hollande. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement. Le gouvernement Soumima, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Pour Samuel Mbemba, le peuple congolais ne comprend pas pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, alors que la RDC a transmis deux renvois des situations à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction, s'indigne le vice-ministre de la Justice et Contentieux International. Tout à fait autre chose à présent, il est temps de donner la priorité à la santé mentale en milieu de travail. Tel est le thème au niveau mondial de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale, ce jeudi 10 octobre 2024. Pour ne pas placer cette journée dans les oubliettes, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a organisé en collaboration avec le programme national de santé publique une activité quant à ce qui a mis l'accent sur l'initiative santé mentale au travail. Nancy Leka, encore une fois de plus. Célébration ce 10 octobre 2024 de la Journée mondiale de la santé mentale sous le thème mondial. Il est temps de donner la priorité à la santé mentale au niveau du travail. Docteur Aimé Nkunku, directeur AI du Programme national de la santé au travail, qui a axé son intervention sur la santé mentale et la psychologie au travail, a fait savoir que près d'un quart de la population présente des problèmes de santé mentale. Selon le rapport de l'OMS publié en 2011, il y a une faible couverture en santé mentale qui est estimée à 5%. Pour sa part, Dr Gédéon Samba, directeur du Programme national de santé mentale, a également placé un mot pour la circonstance. Lorsque nous allons promouvoir la santé mentale en milieu de travail, lorsque tous les employeurs et employés vont prendre conscience de cette problématique et des avantages, vous allez voir que l'environnement du travail va s'améliorer et puis les performances, la productivité va vraiment augmenter et c'est les mêmes employeurs et institutions qui seront bénéficiaires et aussi les employés par ricochet. Ça va réduire le nombre de journées de travail perdues pour des raisons de maladie. Prenons la parole au nom du secrétaire général de la santé empêché, Jean-Bertin Epumba, s'est exprimé en ces termes. La santé mentale est légèrement mise de côté. Et pourtant, elle constitue la pierre angulaire de notre bien-être, tant collectif qu'individuel, surtout dans les cadres professionnels. La santé mentale est un droit humain fondamental et une composante importante de la santé en général, définie selon l'OMS comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel
Les recommandations ont été formulées lors de cette activité, entre autres, traiter la santé mentale comme une question transversale pertinente dans les secteurs de la santé, de la protection, nutrition et éducation. De près et de loin. Et puis, à l'occasion des 150 ans d'engagement pour la communication et de la célébration de la Journée mondiale de la Poste qui a eu lieu ce 9 octobre dans les bâtiments administratifs de la Société congolaise des Postes et Télécommunications SCPT à Kinshasa-Gombe, un accent a été mis sur l'ambition majeure de la digitalisation de la Poste dans les domaines numériques. Strangimbi était là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Regardez. Célébration ce 9 octobre de la Journée mondiale de la Poste et le 150 ans d'engagement de la communication et le développement des peuples à travers le monde. Sandra Chibonge Mbiye, directrice générale de la Société congolaise des Postes et Télécommunications, SCPT, a dans son discours évoquer les ambitions de la Poste relatives à la digitalisation et faire de la Poste congolaise un acteur qui compte dans l'économie numérique pour faciliter les transactions. C'est pourquoi nous avons cette grande ambition, ce rêve qui nous anime, ce rêve de relever notre société. Nous avons donc décidé de nous engager dans une profonde transformation en misant sur la digitalisation. Notre ambition est claire, faire de la Poste congolaise un acteur qui compte dans l'économie numérique. De son côté, Augustin Kibasa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PETENTIC, a tenu à encourager et saluer les hommes et femmes loyaux de ces services qui, malgré les conditions difficiles, continuent à être fidèles à ce travail. Cette journée devait un caractère tout particulier cette année 2024 où nous célébrons les 150 ans de l'Union postale universelle. Cet anniversaire marque un jalon important dans l'histoire de communication mondiale et nous rappelle le rôle crucial que joue la Poste dans le rapprochement des peuples. Garantir à la population un accès au service postal universel de qualité disponible en tout point du territoire à des prix abordables. Assurer à l'opérateur chargé de ces services les moyens nécessaires pour adopter les nouvelles technologies et couvrir les coûts. Il s'y est de noter que cette cérémonie du 150e anniversaire de la Poste a connu la participation du DGA de la SCPT, Jolino Makele, ainsi que les administrateurs de la SCPT. Et puis en société, les grosses têtes d'érosion ont été créées au quartier Bagata et Malala dans la commune de Makala et ont déjà englouti plusieurs maisons d'habitation construites dans ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo. Les habitants de ces coins avaient lancé un SOS à plusieurs reprises aux personnes de bonne volonté pour leur secourir. Ces cris de détresse a été entendu par le député provincial Eli de Makala Lumbu Kukiel, qui est venu ce jour au secours de ses habitants en y touchant ces érosions, voulais-je dire, par des montagnes d'immondices. Georges Libengue et Nancy Ileka Image commentaire. C'est un véritable ouf de soulagement pour les habitants des quartiers Bagata et Malala dans la commune de Makala qui avaient le moral très bas du fait qu'ils vivaient au quotidien avec des grosses têtes d'érosion qui avaient déjà emporté plusieurs maisons d'habitation construites à cet endroit. Leurs inquiétudes ont cédé la place à la joie car la députée provinciale Lumbu Kukiel, élue de cette municipalité, vient de boucher ces érosions en y déversant des montagnes d'immondices, une façon de pallier à cette situation qui constitue une menace permanente pour cette population qu'il a surnommée Mwasinzambi. Un geste de cœur qui a été applaudi des deux mains par les bénéficiaires. Papi, c'est Nzela oyo to lembi papa koto ba ponte mai za la rater. To kati sa ngambu to geto to ki mai. Soki to ye
to kiti sikuna sima to baniko mema malembe 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 to mati to komi nanda ku papa mamonda yoko zipela biso nzela bo to sepeli papa nzamba pambola ye amona ye amata ba promotion pana posa ndenga asali musala bo a pambola ye akende liboso atika musala ote nzambe penati alisu likolo na ye na bambulo asala do sepeli na ngoma ata ya biso ko kamba mbilo to yebite so to zaka bo na ba komini o za ba pemene na biso so ba zaka bo e pika malala mama le loka tika na biso ka susu lokolo ye ko longo na fulo tela biso forage forage to za na mai na facilite mama to kita na mabulu mai mokusa na nzoto mama tele longi na wanege baby la verite tala suta pembe bimi na mutu kwa la verite awa biso to zo mona pas to zo la la banzala pona nini bakangi mwana 50 000 Jaka sene ba zokota tina mapangu. Baba yako zokaka bana. Mwana penza, lokola okoma mokonze pana biso, lobela biso ango. Liboso na ozion sena ni na eksepe mama. Na oyo, akanisi biso bala makala. Paske, ya mama ya, ba ofi ba yaka ya mama ya, ba lakaka biso ke ba kusala ya malamu na makala ya mwisi ya mwiki. Mais grâce à maman, tu soutenais maman, maman pas joué, alors c'est pour la mounaye et pas à biso, bala makala. En tout cas, pena, nous avons le père et maman, bala mounaye, ça la pena, biso, bala makala. Nous avons le bien que makala pena, vous avez ce pays là. Parce que, à la zone à commune à makala, tu veux taille de député Bélé, mais parmi les députés, tout le monde a travaillé là-bas, la commune à biso à makala, tout le monde a ramené du. Lombo Koukiel, cet élu de la commune de Makala, est en train de s'attirer la sympathie de ses électeurs qui s'engagent à lui apporter un soutien sans faille dans l'exercice de son mandat parlementaire. Écho de la province de Maïndombé avec la publication de l'équipe gouvernementale provinciale par le gouverneur de la province de Maïndombé, les Bonkoso Kevani, qui a rendu public l'équipe gouvernementale de cette province composée de 10 membres parmi lesquels aucune femme n'est retenue comme ministre provincial. C'est dans cette optique que les ressortissants femmes de Maïndombé vivant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont monté au créneau pour fustiger et dénoncer cet état des choses. Junior Bolapa. Les femmes originaires de la province de Maïndombé expriment leur mécontentement après la publication de l'équipe gouvernementale de cette province. Pour cause, parmi les 10 ministres provinciaux qui constituent cette équipe, il n'y a aucune femme. Dans leur prise de position, ces femmes fustigent ce déséquilibre orchestré par le Bonkoso Kevani, gouverneur de Maïndombé. Gouvernement n'a yé et kobimate sa moisi. Mais tout ça qui circuit, tout le monde qui est gouvernement et bimi, 10 personnes ont un moisi à ta moko azate. Yango bisou ma maman Maïndombé, tout ce pays n'a yé kouana à ta moukete. A revoir gouvernement wana. A ta batoubazo loba. Oh, bino basi bosala ke lo kote. Parce que maman oazala ke wasa ke lo kote. Nan anwa ebisi bino ke maman nyo sazandenge moko. Maman nyo sazandenge moko kote. Est-ce que moi, si je suis ma première de la classe, l'échec me va à la Kayabasi. Le problème qui est là, il y a aussi les gens de Maïndombé qui sont en train de parler, d'écrire, il y a des appels, même l'appel d'intimidation. Il y en a. Alors nous, nous sommes là déterminés pour défendre notre cause. On doit défendre notre cause tant que femmes de Maïndombé. Nous sommes des femmes ressortissantes de Maïndombé. Ici présent à Kinshasa et il y a des familles qui vivent là-bas à Maïndombé. Alors, les problèmes Oyo, mais c'est le gouverneur Asali. Et où tu pas na bisoté. Et loko est faire remonter biso colère via vidéo na emoko à ces lancer qui ils peuvent pas faire une liste ya gouvernement ya province sans femmes. C'est une femme forte. Alors, ce qui est une femme forte, alors, l'ancien ministre qui a travaillé dans le gouvernement, ce qui est une femme forte, c'est une femme forte.
ba mama nyonso ba ndenge moko ko sengi kaka ba sala biso échange ba longola ministre moko ba tia e azala secrétaire exécutif ba zo secrétaire exécutif net ba poni déjà moi si po ba peser biso ba tia e ba pesa e ministère moko. Un nouvel ouvrage dans les kiosques, il s'agit d'un livre de recherche intitulé « RDC, terre à partager » dont l'auteur est Stéphane Kitutu Oléantoire, ancien directeur général du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, ancien directeur général également de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Stéphane Kitutu Oléantoire, ce dernier dit publier ses livres pour prendre part à ces fameux débats parfois présentés comme un espace d'invention des journalistes ou des hommes politiques. Stéphane Kitutu est ici au micro de Lola Kinyamba. Nous venons de publier un livre de recherche qui s'intitule RDC, terre à partager. Évidemment, ce titre pose déjà un petit problème. Est-ce une affirmation ou une interrogation? Nous vous disons tout de suite que c'est une espèce d'affirmation interrogative. Parce que il y a deux aspects. Il y a l'affirmation, il y a des gens dont la vocation, il y a des gens qui veulent partager le Congo. Ces gens-là croient que c'est une affirmation. Il y a des gens comme moi-même qui refusons que notre pays soit partagé. Donc, voilà la deuxième version de ce même titre qui est une espèce d'interrogation refus. Nous publions ce livre pour prendre part à ce fameux débat. Ce débat parfois présenté comme une espèce d'invention des journalistes ou des hommes politiques. Ce n'est pas vrai. Nos recherches confirment que il y a vraiment des recherches, il y a des puissances qui sont en train de chercher à morceler notre pays. Et nous vous présentons dans ce livre les éléments qui démontrent la démarche de ces gens-là. Et la contre-démarche des autorités congolaises. Nous présentons ce sujet en trois tomes. Le premier tome vient de sortir. Ce premier tome présente le sujet je vais vous donner le nombre de chapitres. Le premier tome, donc, en 15 chapitres, le premier tome qui est là, présente donc ce sujet. Qu'en est-il réellement? Et le deuxième et le troisième tome présentera les autres aspects. Les débats qui ont lieu, étaient-ils des débats corrects? Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vie a été assurée par Georges Libengue. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous, et puis donc pour demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.